Salut à tous, c'est Victor de Studio Sport. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto bind avec le DJI Avata, la Motion Controller, les DJI Goggle 2 et la Radio Commande 2. On va commencer tout d'abord avec la Motion Controller. Rien de plus simple. On allume le drone. Deux appuis à la DJI, comme d'habitude. Ensuite, on allume le motion controller, deux appuis, ça s'allume. Et ensuite, on appuie sur le bouton on-off et on reste appuyé. Et on attend que ça clignote sur les deux. Et là, c'est en mode appairage. On attend. Et voilà, c'est appairé, vous pouvez aller voler. Une fois que la radio est appairée, on fait le casque. Pour appairer le casque, rien de plus simple. On va d'abord brancher le câble d'alimentation au casque et ensuite à la batterie. On allume le casque. C'est allumé. On appuie sur le bouton d'alimentation du drone et sur le bouton qui est entre les deux lentilles. On reste appuyé sur les deux. On attend que ça clignote et qu'on entend les petits bips. On attend. Et voilà, c'est appairé. Vous pouvez aller voler avec votre motion controller et le casque DJI Goggle 2. Maintenant, on va passer au bind de la radio commande 2 DJI FPV avec le drone DJI Avata. Pour cela, il faut le drone, la radio commande et le casque FPV. Du coup, on allume tout ça en amont. Et là, il vous reste plus qu'à rester appuyé sur les deux boutons. Là, ça va chercher. Voilà, ça a trouvé. Rien de plus simple. Après, vous n'êtes pas obligé de faire les deux boutons de bind en même temps. Vous pouvez faire l'un et après l'autre. Ça marchera tout à fait sans problème. Maintenant, on vous souhaite un bon vol et à bientôt pour des prochaines vidéos sur Studio Sport.